اليوم سعر النفط ماشي ويزيد. دونك في البانيل هذا باش نحكيو على المشاكل، مشاكل السياسه الجبائيه اللي قابلوها رؤساء المؤسسات كل يوم، باش نحن نسميوها، ثم شكون حتى يسميها امراض السياسه الجبائيه. دونك نحكيو زاد بعد على الحلول، كيفاش نرجعوا اليوم الكونتور ا زيرو، كيفاش ايضا نخلقوا جو من التنافسيه بين الرؤساء المؤسسات، بين المؤسسات بصفه عامه في تونس. دونك انا سعيد باش نفتتح الحوار، وسعيد باستقبال سي فيصل دربال، مستشار رئيس الحكومه المكلف بالاصلاحات الجبائيه. مرحبا سي فيصل. سعيد ايضا باستقبال مدام سيرين بن رمضان بن ملوكه، خبيره المحاسبه وامينه المال هيئه الخبراء المحاسبين، اهلا وسهلا بك. ضيفنا وسعداء باستقباله ايضا حتى نحكيه على التجارب المقارنه في العالم للسياسه الجبائيه، مسيو جاروزلاف رومانشوك، اللي هو ايضا مستشار رئيس الحكومه في بيلاروسيا. قبل ما نبدا النقاش، الياسو المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اختار يحكي مع رؤساء المؤسسات على المشاكل اللي قابلوها كل يوم في ال صوتي الله يبارك، ناخذ مسافه. دونك الياسو اخترت تحكي مع رؤساء المؤسسات، تشوف المشاكل اللي قابلوها كل يوم في كل ما يتعلق بالجبايه، حكيت مع الخبراء. هذا فيتير، انا ندعوكم كسبيكر وكضيوف في الصاله انكم تتبعوه بانتباه، ثم بعد رجعين. À plusieurs challenges dont la fiscalité est devenue un. La fiscalité et la promotion immobilière sont liées depuis très longtemps. Évidemment, nous sommes au régime commun de la fiscalité, c'est-à-dire que nous sommes soumis à l'IS, au taux de normal des sociétés, actuellement à 25%. La nouveauté dans le secteur, ça a été l'introduction de la TVA dans le prix d'achat de l'immobilier. À part l'effet nominal qui donne l'impression de la cherté, qui vient essentiellement, cette impression et l'aspect nocif, vient principalement du taux qui a été choisi. Tous les pays qui ont introduit la TVA sur le prix du logement ont, je pense, bien fait, parce que ça oblige aussi les promoteurs immobiliers à comptabiliser la TVA, à exiger de leurs fournisseurs qu'ils payent la TVA. Néanmoins, le taux qui a été choisi, qui est le taux de 13% et qui est appelé à devenir à 19%, son introduction a été trop brutale. Elle a entraîné carrément l'arrêt de toute transaction commerciale durant l'année 2018. Évidemment, quelques personnes bien informées ont acheté quelques appartements
à la fin de 2017 et depuis, nous sommes aujourd'hui à la fin du mois de novembre, nous n'avons enregistré aucune vente par la TVA depuis l'introduction de la TVA. En tant que groupe de promotion immobilière qui gère des biens immobiliers, nous subissons de plus en plus une grave injustice, qui est simplement que sur les montants perçus, sur les loyers, le locataire opère une retenue à la source de 15%. Cette somme est régulièrement supérieure à l'impôt à payer. C'est-à-dire, en fait, l'État ayant trouvé que c'était une vache à lait, et après avoir instauré une retenue à la source de 5%, qui simplement accomplit le but de l'opération, qui est de retracer les revenus d'une société donnée ou d'un propriétaire donné, elle en est arrivée à exiger 10% et puis maintenant 15%. Le résultat est encore une fois, et comme dans beaucoup d'autres taxes, une retenue excessive qui donne lieu à un crédit permanent en faveur de l'État. Et non seulement il est permanent, mais il est en croissance continue. Le but de l'opération a toujours été de repérer les revenus et non pas d'opérer une retenue sur la trésorerie des entreprises. طبعا هذه جزء من المشاكل اللي قابلوها رؤساء المؤسسات حكوا عليها الخبراء ورؤساء المؤسسات مش المشاكل الكل مدام سيرين اكيد ثم مشاكل اخرى ما تحكيش عليهم لو تفضلت تحكينا عليهم اكثر تفاصيل مؤسسات على الاستضافه بتاعي هي المشاكل معناتها لخصوها لي ديفيرونس انترفينون autour de l'injustice fiscale, l'imprévisibilité de la loi fiscale. Je voudrais aussi rajouter l'instabilité et la complexité de la loi fiscale. Et à côté de la loi fiscale, il y a la pratique fiscale, l'interprétation du texte de loi par l'administration fiscale qui rajoute aussi aux difficultés que vivent aujourd'hui les entreprises. Alors, moi, je voudrais mettre l'accent peut-être sur quelques dispositions de la loi de finances 2019. Hein, malheureusement, ce cycle de difficultés que vit l'entreprise et qui altère le climat des entreprises, cette politique fiscale qui altère le climat des entreprises, va malheureusement augmenter. On ne voit pas les prémices de l'amélioration. Nous sommes toujours dans cette même spirale. Alors, je voudrais parler de deux ou trois dispositions majeures qui me semblent importantes. C'est d'abord l'arsenal qui a été introduit par la loi de finances, des articles 27 à 33 de la loi de finances, et qui sont relatifs au nouveau cadre réglementaire des BEPS. Donc, vous savez, la Tunisie a signé, comme une centaine de pays d'ailleurs, les accords, le cadre inclusif des BEPS, c'est-à-dire Base Erosion and Profit Shifting, c'est tout un arsenal qui a conduit à éviter l'érosion de la base imposable et à la pratique agressive des prix de transfert. Tout ce dispositif a été proposé par l'OCDE dans le but essentiellement de pouvoir agir sur l'évasion fiscale des grands groupes, notamment des GAFA et des multinationales d'une manière générale. Alors, ce cadre prévoit une quinzaine d'actions qui visent en fait à réaliser trois objectifs. Le premier étant la cohérence, c'est-à-dire éviter que les sociétés ou les entreprises transnationales utilisent de manière abusive les conventions fiscales internationales. Et donc, il faudrait que les pays signataires puissent se conformer à ce nouvel arsenal juridique et en même temps assurer une cohérence entre leurs propres dispositions fiscales par rapport à ce nouveau cadre international. C'est vraiment une rupture à l'échelle internationale de la fiscalité internationale. Ces actions visent aussi un deuxième objectif, c'est l'objectif de la prééminence de la substance de l'opération par rapport à la forme qui en est donnée.
clairement, une société qui vend une licence, par exemple, dans un pays, va facturer les produits de la licence dans un autre pays où il y aura une fiscalité plus avantageuse. Et donc, l'objectif de ces différentes actions, c'est justement de faire permettre au pays où il y a la création de la valeur ajoutée de taxer cette valeur ajoutée. Et bien entendu, le troisième objectif, c'est l'objectif de transparence. Ces actions visent justement à assurer qu'au niveau, qu'au sein même des pays, on puisse identifier et évaluer ces prix de transfert entre les sociétés multinationales, mais aussi pouvoir échanger ces mêmes informations entre les pays. Et donc, ça donnera beaucoup plus de visibilité pour mieux taxer ces sociétés multinationales. Donc, en soi, je pense que l'adhésion de la Tunisie à ce nouveau cadre international est très important et intéressant pour la Tunisie parce que nous sommes généralement le pays de la source, donc nous avons intérêt à adhérer à ce cadre. Ma remarque et ma peur par rapport à ce nouveau cadre juridique dans lequel nous nous engageons, c'est les modalités de sa mise en application. D'abord, est-ce que nous avons analysé quel est l'impact de l'adhésion à ce cadre réglementaire? Et puis, comment est-ce que nous allons y adhérer? Quels sont les processus qui vont être mis en place pour pouvoir assurer la conformité de la Tunisie à ce nouveau cadre? Ce qui nous est demandé à l'heure actuelle, c'est de l'appliquer aux sociétés aux multinationales qui sont implantées en Tunisie, ou aux sociétés qui sont contrôlées ou sous le contrôle de sociétés étrangères. Mais voilà que la loi de finances 2019 l'applique, décide de l'appliquer à toutes les sociétés, à tous les groupes de sociétés. On vise aussi l'activité domestique et ce sont les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 20 millions de dinars, toutes taxes comprises. Donc vous l'avez compris, on a très vite atteint ce plancher. Et par rapport à cela, ces entreprises auront de nouvelles obligations de communication annuelle, de la formation financière à l'administration fiscale, mais pas que financière sur les prix de transfert, sur les accords qui sont conclus entre les différentes sociétés du groupe, mais également la composition de ces groupes, les changements. Et c'est un arsenal qui est accompagné de lourdes sanctions fiscales. Donc encore une fois, plus de risques pour l'entreprise, et puis plus de prérogatives pour l'administration fiscale, parce que les arrêtés pour la mise en application de ce cadre ne sont pas, nous ne connaissons pas encore. Sur quelle base est-ce que l'administration fiscale va pouvoir évaluer si les prix de transfert sont conformes aux prix de marché, selon quelles normes? Est-ce que nous avons une base de données sectorielle qui permette à l'administration fiscale d'évaluer l'opportunité de ces prix de transfert? Donc, c'est un point d'interrogation. Encore une fois, nous lançons une rupture, on va dire, mais réellement qu'il n'est pas bien proposé. Donc ça, c'est un premier exemple que je voulais aborder. Le deuxième exemple, il interpelle sur le fait que l'administration fiscale semble être en complète déconnexion par rapport à la pratique des entreprises. Mais ça, on le remarque à plusieurs niveaux. Nous avons déjà compris que finalement, nous avons une politique complètement désincitative par rapport au facteur travail. Tout à l'heure, Monsieur le ministre du gouvernement a dit que parmi les prérogatives, ça va être l'économie numérique. Oui, mais l'économie numérique et la transition numérique, elle se fait à travers les ressources humaines. Le personnel, c'est les personnes qui vont pouvoir développer les applications, mettre à niveau les entreprises. Et aujourd'hui, une entreprise a du mal à retenir les bonnes ressources. Malheureusement, toutes les propositions, toutes les solutions qui sont entre les mains des entreprises pour fidéliser son personnel à travers les solutions de mobilité ou les plans d'épargne, d'assurance vie ou de complément retraite, toutes ces mesures sont aujourd'hui fortement taxées et grèvent en fait le coût de l'entreprise. Mais à côté de cela aussi, on voit, et je pense que c'est pour répondre aux obligations qui nous sont imposées par le Forum mondial de la transparence fiscale, la Tunisie s'est engagée à assurer une complète transparence. Complète transparence qui implique pour les rédacteurs, du moins, de l'article 34 de la loi de finances de 2019, qui implique la levée du secret bancaire. Déjà alors, dans ma grève, hein, voilà, par voilà. Les avocats. Du secret professionnel, je m'excuse, voilà, du secret professionnel. Le secret bancaire, il est déjà engagé, hein, et entamé.
Donc c'est le secret professionnel, effectivement. Et c'est une très grande problématique parce que je pense qu'aujourd'hui, la transparence et la bonne gouvernance des entreprises n'est pas encore à 100% dans la pratique tunisienne, on doit le dire. Mais il y a des professions, les professions libérales sont là pour accompagner les entreprises, pour être compliant, et parce que il y a aussi des mesures aussi qui encouragent les entreprises compliant, ou du moins j'espère qu'elles seront maintenues. Et donc, il est évident que lever le secret professionnel, c'est automatiquement mettre une croix sur les professions libérales et peut-être aussi ouvrir la grande porte aux étrangers qui viendront ici exercer et qui ne seront liés par aucun secret professionnel. C'est une disposition qui est très grave. Qui même entrave même les relations économiques des entreprises entre elles. Imaginez une société qui recourt à un professionnel pour une due deal dans le cadre d'une fusion-acquisition. Eh bien, aujourd'hui, l'administration fiscale, si elle n'arrive pas à obtenir l'information de l'entreprise, elle a, selon le texte, toute la latitude d'aller chez son expert, qu'il soit avocat, qu'il soit comptable, qu'il soit expert comptable, et obtenir toutes les informations nécessaires pour asseoir son contrôle. Donc, c'est aussi un élément important. Et le dernier point que je voulais aussi relever, on a parlé tout à l'heure d'injustice fiscale. À part surtout le fait les entreprises, le mouvement, madame. L'injustice. L'injustice fiscale, elle touche les entreprises organisées de plein fouet, effectivement, parce qu'on a 50% de notre économie qui est dans le secteur informel. Mais aujourd'hui, l'injustice, moi je pense à travers cette fixation d'un taux bonifié à 13,5%, c'est aussi une injustice. Même au sein des entreprises qui sont organisées, parce qu'elles créent en fait une distorsion entre les différents secteurs d'activité. Ahnatounes, nous sommes un pays qui se désindustrialise de plus en plus, malheureusement. Ça, c'est un fait. Et, malheureusement, effectivement. Et aussi, notre économie est fortement basée sur les services. Alors aujourd'hui, dire nous allons mettre un taux de 13,5% pour certains secteurs de l'industrie, mais je pense que l'ITECA est en train de négocier pour l'élargir à tous les secteurs de l'industrie. Je ne sais pas si elle y arrivera ou pas. Et un taux de 20 ou 25% pour le secteur des services. C'est encore une fois une injustice. Et ce qui nous fait penser et ce qui nous fait comprendre que finalement, toutes les lois fiscales qu'on a vues, plus de 600 textes à travers les 15 lois de finances qui se sont succédées depuis 2011, en fait, elles sont faites sans aucune vision stratégique du développement du pays. Et c'est ce qui explique qu'on trouve très souvent une disposition, et puis on trouve son contraire, on trouve une disposition qui est ensuite annulée l'année d'après. On ne sait pas si tel secteur est encouragé, parce que l'année d'après, cet encouragement est aboli. Et pourquoi pas réunir tous les textes, madame? Voilà, ça c'est la complexité de la loi fiscale, alors qu'on était lancé sur une réforme fiscale qui visait justement à ne faire qu'un seul code de la fiscalité qui regroupait tous les régimes fiscaux. Donc voilà, je m'arrête là et après on va voir. Merci madame Céline Chokranlik. Et en parlant de l'économie. Et en parlant de l'économie numérique et du digital, il y a sûr tel comme lui, on a mis comme application, je m'en tais l'OBR, ou déjà, on a bâti sur un vote, et rire, tabarn, l'assalé, les petits jimes, ça, on a dit, ma femme, ça, là. Mais, quand même, je suis au digital, acte l'application, on a mis comme téléphoné, comme j'ai rapporté, donc, je m'en tais l'OBR. Le fait que la ZDN, nous, filiation, on a eu le TGRB, le Moukarn, CSET, le GBIF, l'Alb. كيفاش هل بعض الدول عملت او ناويه تعمل اليوم اصلاحات قطيعه هذاك علاش نستدعى مسيو جاروزلاف حتى يعطينا اكثر فكره على التجربه في بيلاروسيا ندعوكم فقط انكم تستعملوا لي كاس دو تراديكسيون خاطر باش تكون المداخله بالانجلي Thank you very much. I'm honored to be here for the second time, and this is the 33rd Days of Entrepreneur Day. And as you know, in my religion, one God lived for 33 years, and then he resurrected, bringing prosperity. So I wish you prosperity in the first place, and definitely fiscal policy should be considered
as one package. You cannot talk about taxation in separation from budget and social security. So let me give you just first one historical lesson. In 150 years, not a single country in the world managed to grow fast, I mean 6-9% GDP, long term, over 20 years, and inclusive if it had a government expenditures exceeding 20% of GDP. So if no matter what economic miracle you consider, you must see that Japan, South Korea, Singapore, Hong Kong, Taiwan, Chile, they all had under 15% of GDP government expenditures, which again gives you a question, disruptive question for mentality and thinking. What is so unique about Tunisia that you can afford 30% GDP government expenditures? Do we have better governance? Look at the World Bank governance indicators. For the last, in the last 8 years, you got worse. You got worse government effectiveness and government regulation also got worse. You almost doubled your public debt. Your economic freedom index got worse. Your legatum prosperity index got worse. So, I mean, I'm trying to understand how unique bureaucracy in your country, like in my country, Russia, Ukraine, Uzbekistan, all these developing countries are, so that they claim that they can manage this kind of money. Second question is, what functions do we need to support? First of all, high quality, so to stimulate SME development and entrepreneurship development in general. Because in most of the developed countries, SME, as my friends and colleagues from SIPE would confirm, make up to 90% of all legal entities, and they are the core of development, especially in the time of transition. So if you have like 100 big businesses that can double revenues, double income, that's good. But probably that's not the case in your country, like in other countries where the international competition is so fierce that they cannot afford growing like 10, 15% every year, adding more potential to the economy. So in this case also, the accent should be on SME, self-employment, and this even OECD gives you an idea how to treat this guy. They call about social or inclusive entrepreneurship. So when you try to tax people who make less than $500 a month, or legal entities making than 2,000, 3,000 revenue a month, you're essentially killing social security component of entrepreneurship. And from the 1st of January, for example, China switched on to not taxing at all any income under $750. China is has been successful in so many aspects. So in this case also, what is the limit that Tunisian government can afford to tax and to move from to non-market sector, which is very important. Another, when you answer these issues, and I would recommend concentrating on security issues, on safety, on infrastructure development, on education. At the end of the day, you have like 18 to 25% GDP expenditures that are a must to sustainable development. Other than that, you definitely have to reconsider whether you need to collect taxes from the people who can make money. What do you tax? Do you tax value added? And probably you, most of you know or don't know the origin of VAT. Do you know how it was created? France experimented with this tax in Côte d'Ivoire, and the bureaucrats were too lazy to analyze all cost and benefit effects. So they reported that that's a wonderful tax that could be, should be introduced instead of corporate income tax and other taxes on business. And that unfortunate experiment was adopted by not only France, but the European Union. We're living with it. And with a lot of extensive analysis of how VAT functions, even in the European Union, in Italy, which is a developed country, the volume of VAT violations exceeds to 30% of the revenue from this tax. Just imagine how big it is.
So in developing countries, much poorer or less qualitative, less or worse government or tax administration, that would be even worse. Like in Russia, Ukraine, Kazakhstan, this is one of the most, the biggest source of corruption among business and bureaucrats. So in this case, even if you still stick to VAT, the rate should not exceed 10-15% and should be as flat as possible. Then about personal income tax, corporate income tax, which is another, you go back in history, who came up with the idea of taxing people who make money and who do the business? You'll be surprised, Karl Marx. So I'm in the 21st century, living in the world of communism would be a big, big contradiction in terms and probably a mistake. That's why if you still believe that corporate income tax is a good thing, then you'd rather stick to 10% or 12%, or if you invest all the money you make, that's zero. That's the experience from Estonia, that's the experience from Ireland, and Ireland is a wonderful example how a country from under $1,000 per capita moved to the top five in the world in 50 years. That's the best example you can see how proper tax structure, a proper tax burden can stimulate the country without natural resources, with like not so good geographical position. Then comes land, real estate, ecology, whatnot. And here is another thing. What is the price of land and real estate in any country, especially in developing country? It's up to the government to decide. And this is what creates instability in business planning. Like in our country, the bad example was that each year there's a cadastre cost of land, and the governments and bureaucrats reevaluate in their own way. And 1 month before the end of the year, they're giving a new price of the land. And so they don't increase the tax rate, but eventually the money the business is supposed to pay to the government goes up. That's a very bad practice that ruins investment climate and makes it unpredictable. Likewise, ecological damage and worse, ecological taxes. They are like rich man world invention, and they're very difficult to administer. And I think that it's not fair for poor countries, developing countries, to have this kind of system. So we essentially face the challenge. What should we tax in order to get like 20-25% of GDP in order to ensure smooth functioning of the government? My suggestion is tax retail sales, retail sales of goods and services, and make it flat and make it universal for everybody. It's fair because rich men buy more expensive products and they pay more in taxes. Likewise, people with less income pay less for the goods they buy. It's universal, there's no loopholes, no different scales, no favoritism of government officials who believe that computers are not social-oriented goods or not social-protected goods or bread or butter, which also we have to neutralize while designing the tax system. Second tax that should be introduced is excise tax, which is energy goods, tobacco, alcohol, universal. And then third, which is based on, again, on religion, traditions, 10% personal income tax flat. Three taxes will, and of course, if you want for the time being to make some protection for your domestic manufacturers, you can have up to 5% flat, again, import duty. But that's not the best case. So these are the sources of revenue you get. And if you evaluate the necessary expenditures with these three taxes, you get the balanced budget. In order to neutralize fiscal populism, which is the problem, you can consider adopting what I call economic constitution, which is a set of rules for the government to follow. So you must not exceed a certain threshold of government expenditures.
You must not have should have balanced budget. You must have certain ceiling on inflation and certain level of government debt. If a government violates one of those indicators, it automatically resigns, or like parliament goes down or whatever. We must have some straitjacket. Otherwise, there will always be decisions and solutions for different groups. Okay, today, digitalization. So some traditional sectors will come up to the government and say, let's digitalize our sector. So for me, let's give me $1 billion tax break for 10 years. Nobody would evaluate the effectiveness of that, but the distortion is there. So in the situation where your country is in, you need disruptive, innovative tax decisions based on mathematical, simple maths, to which can be explained to ordinary people, to the government, to everybody. Because if you follow the sophisticated system that European Union has right now, which it didn't have 50 years ago when it was developing, then you end up in GDP growth under 2%. Because ultimately, what do people who fought and win in 2011 in your country want? They want to have long-term fast economic growth. Again, if you grow 2%, of course, you will be like, again, lagging behind. If you grow 6 to 9%, then salaries, pensions, children contribution will go up. And this is the only way. You cannot have it vice versa. You cannot distribute what you don't have, what you don't earn. Or like in your case, you almost doubled government debt. And in the context when money is getting more expensive in the world, the burden on taxpayers, on the people, will go up eventually. So you kind of, whether intentionally or unintentionally, made some mistakes in designing economic policy. But right now, you really need disruption in the best case of the world. In my part of the world, disruption is used only in technological world, because disruption is a bad word for the people. When talk about disruption, people, whoo, don't know disruption. Come on, let's talk about peaceful transition. So in order to promote these kind of reforms, you definitely need good wording for the people to ensure public support. Because next year, when you're having elections, that will be extremely important for business to come in terms with the society for the new vision. If you don't have it, then stagnation may follow. And as I said, 33rd days of entrepreneurship cannot afford it, because you must resurrect. Thank you. شكرا لك مسيو جوزلوف ميرسي سي فايسل نحكيو شويه على الملاحظات اللي جات في الفتي نحكيو زاد على الريفورم تاع 2014 شنو حوالها دخت انا باللي شيفر 40% 25% فوالا نحكيو شويه زاد على الريفورم بعد نجيو لي سوليسيون داكور ميرسي شاكر ميرسي بريزيدون بوزغند بريزيدون بايح ainsi que tout le comité directeur de m'avoir donné l'opportunité d'être présent de retrouver mon berceau qui est l'ISCE. Je suis très heureux, très ému même d'être là pour parler d'un sujet d'actualité et qui ne cesse d'être soulevé à toutes les occasions. Hier soir, j'ai suivi les débats budgétaires. Le terme fraude fiscale, évasion fiscale et rémanence fiscale a été cité plus qu'une cinquantaine de fois. La thématique de la réforme fiscale se fait plus présent et présent beaucoup plus que durant les cinq ou les six dernières années, de manière très remarquable. Les avis sont partagés. Il y a ceux qui disent, bon, la fiscalité, les résultats sont mitigés, sont satisfaisants. Il y a ceux qui disent que c'est un fiasco total. On va se situer à quel niveau? Même au niveau de l'opportunité de lancer la réforme fiscale, je vais revenir un tout petit peu en arrière pour situer la problématique et pour bien positionner la problématique. La divergence a touché même l'opportunité. Il y a ceux qui disent qu'en période de crise, il ne faut pas lancer de réforme fiscale, il ne faut pas s'engager dans une réforme fiscale. D'ailleurs,
la directrice générale de la GELF, Mme Habib Alouati, dans un entretien au journal La Presse en date du 26, si mes souvenirs sont bons, 26 septembre 2017, a textuellement dit que la situation de la Tunisie post-révolution n'est pas favorable à la réussite des réformes. D'ailleurs, l'exemple type de l'échec des réformes entreprises est celui de la réforme fiscale. Donc, le premier responsable qui a mené toutes les actions de réforme de 2013 jusqu'à fin 2014 a reconnu que c'est un échec. Ensuite, par contre, il y a ceux qui disent non, c'est en période de crise qu'il faut lancer les réformes. Parce que les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité. Et on voit la nécessité dans la crise. Par conséquent, la crise, c'est le moment propice pour engager la réforme. Nous, en Tunisie, on a opté pour la deuxième alternative. On était en pleine période de crise en 2012 et on a décidé d'engager la réforme fiscale. Constatant que les taux sont trop élevés, constatant que la pression fiscale ne fait qu'augmenter, constatant que le régime forfaitaire ne fait que est une source, la principale source de fraude fiscale, il a été décidé en 2012 d'engager la réforme fiscale. Et du coup, la réforme proprement dite a été engagée en mai, a commencé à démarrer les travaux de la réforme, ont démarré en mai 2013. Mais est-ce que c'était une réforme de rupture ? Justement, ce n'était pas une réforme de rupture. Et il ne fallait pas faire une réforme de rupture. Parce que lorsqu'on dit réforme, ce n'est pas un événement. La question qui se pose toujours, vous n'avez pas encore achevé la réforme, la réforme n'est pas achevée, la réforme est inachevée, la réforme n'est ni achevée, ni non achevée. La réforme, c'est un processus continu, ce n'est pas un événement. La réforme, c'est une évolution dans le temps, partant d'un constat, d'un diagnostic, d'une situation bien déterminée, pour apporter des rectifications au fur et à mesure de l'avancement, parce qu'on est obligé de faire des retouches. Est-ce que c'était le moment propice ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les résultats sont concluants ? Est-ce qu'on peut dire que la réforme a donné ses fruits ? Ou alors, la réforme, ça n'a pas réussi. Ce n'est pas une réussite. Et puis, est-ce qu'on peut savoir pourquoi les gens de tous bords, même ceux qui confondent TVA et RPP, ne font que stigmatiser la fiscalité et la réforme matin, après-midi et dimanche ? Sabah al-Masan ou Yom al-Had. C'est trop quand même. Que faut-il faire ? Il faut analyser la chose à tête posée. Ainsi dit. La réforme, tout d'abord, qui a été dans l'ensemble bien menée. Il avait des équipes qui ont tenu 200 réunions, 6 équipes qui ont comporté les grands spécialistes et qui ont travaillé pendant presque 2 ans. Je salue Mme Berlin qui a travaillé avec nous sur ce dossier-là. Et les résultats ont été présentés lors des assises de la fiscalité, un grand événement qui a eu lieu le 13, 14 et 15 novembre 2014. Ceci ne veut pas dire que nous avons marqué l'arrêt, voilà la finalisation, voilà un produit fini de la réforme. C'était des recommandations et il a été décidé, il a été opté, c'est pour cette raison que ce n'est pas une rupture, on n'a pas préparé un nouveau code, on n'a pas préparé un nouveau système comptable. En 89, c'était la rupture. Pourquoi ? Parce qu'on a laissé de côté l'ITS, la CPE. Bon, il y a ceux qui sont avant Jésus-Christ, comme moi, qui se rappellent de l'ITS et de la CPE. L'ITS, la CPE, la taxe à la production, la taxe de consommation, et on a institué un nouveau modèle. Ça, c'était une réforme de rupture. On n'a pas fait de réforme de rupture et on a décidé d'introduire à petite dose, à très petite dose, les recommandations qui ont été conseillées dans la réforme. Chamana, quelles sont les petites doses ? La baisse du taux de l'IS, la généralisation de la TVA, le secret bancaire, plusieurs autres mesures ont été introduites au fur et à mesure. Sauf que
L'approche dès le début n'était pas tout à fait appropriée. Pourquoi elle n'était pas tout à fait appropriée? Parce qu'il n'y avait pas de méthodologie claire. On a raisonné fiscalité alors que la méthodologie adoptée devrait faire appel à des analystes macroéconomiques, devrait faire appel à l'économétrie, devrait faire appel à des psychologues même qui peuvent anticiper la réaction du contribuable devant les mesures qui vont être introduites. On n'a pas fait du tout ça. On n'a pas fait du tout ça, ça d'une part. D'autre part, on n'a pas tenu compte de l'aménagement qui doit être introduit au niveau d'autres textes, compte tenu de l'implication, droit comptable, droit de société, il fallait les toucher aussi. Autre chose, le climat politique 2012-2013 était le plus lamentable, vous vous rappelez très bien de cette situation. Et malgré ça, on a continué à travailler. Pas par la suite, l'introduction de ces mesures à petite dose, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une conjoncture très difficile, ça a été fait dans une conjoncture politique très difficile, avec des oppositions, avec des idéologies, avec des croyances qui vont dans tous les sens. Ce n'est pas la peine de revenir sur ces questions-là, mais qui ont entravé le bon fonctionnement de ces actions de réforme. Ensuite, et le plus important, c'est qu'il y a une situation économique, excusez le terme, catastrophique. La réforme est basée sur, conceptuellement, il faut aller vers la baisse des taux d'imposition. Et la situation des finances publiques pousse les autorités à augmenter les recettes fiscales. On ne peut pas continuer avec un taux de déficit budgétaire de 7%. On ne peut pas continuer avec un endettement qui ne fait que flamber d'une année à l'autre. Quelle est la solution? Consolider les fonds propres. Comment on va les consolider, les ressources propres? On n'a pas de ressources autres que fiscales, c'est minime. Donc, il faut augmenter. On s'est trouvé devant des situations contradictoires. Une réforme qui vous oblige à baisser les taux, à simplifier, et une situation économique qui vous oblige à augmenter les taux, à insuffler des contributions conjoncturelles, à augmenter le taux de la retenue à la source ou de l'impôt libératoire sur les dividendes, ce qui est un non-sens, mais ils sont obligés de le faire. Il faut assainir les finances publiques. NGEC. Chouette. Autre chose. Dans ce climat-là, il y a un déchaînement fiscal. Il y a une frénésie. Un déchaînement fiscal, sauf qui peut. Et du coup, en 7 ans, on a eu 14 lois de finances et lois de finances complémentaires. En 7 ans, on a eu, comme l'a dit si Mohamed Erbel dans le VTR, 680 articles, dont 568 articles traitant de fiscalité. Mais ce n'est pas 568 mesures, comme il a dit, c'est 1000 mesures, plus que 1000 mesures. Parce que l'article, parfois, il prévoit 2 et 3 mesures. Moi, je les ai comptées un à un. Il y a plus qu'une mesure et il y a 568 articles qui traitent de la fiscalité pendant 7 ans. Avec 68 degrés d'application, dont 10 degrés ne sont pas publiés jusqu'à ce jour. Avec 5 mesures de contribution exceptionnelles, 5 en 7 ans exceptionnelles. Avec 8 amnisties totales ou partielles. Quelle réforme? Voici la situation dans laquelle cette réforme a été menée. Mais je ne vais pas dire que c'est un échec. Non. On va pouvoir améliorer davantage parce qu'il y a des mesures qui ont été introduites. Je voudrais parler du contexte très difficile. D'ailleurs, ce matin, monsieur le chef de gouvernement, il a parlé du contexte difficile dans lequel les réformes sont en train d'être assurer, exécuter, c'est un environnement très difficile, environnement politique difficile, environnement économique très difficile, des contraintes budgétaires parfois insurmontables, et ça, malheureusement, ça baisse, affecte les travaux de la réforme. Ben, rapidement,
Le climat politique, il y a un auteur que j'ai oublié le nom, Schall, disposer d'un projet clair et cohérent, de réformes soigneusement mises au point par des experts, est indispensable. C'est ce que nous avons fait. Une réforme soigneusement mise au point par des experts, c'est indispensable, mais pas suffisant. Pourquoi ? Il faut construire les conditions politiques de son acceptation. Est-ce qu'on a eu ces conditions politiques de l'acceptation ? Lorsque je vois que l'ANC rejette des dispositions qui sont dans le cœur de la réforme, l'ANC, PNG, l'ARP. Alors je commence par l'ANC qui a rejeté le plafond du recours à l'espèce. Or, le plafond du recours à l'espèce, c'est pour lutter contre la contrebande et l'informel. C'est l'ANC. L'ARP nous a refusé l'année dernière une mesure sur laquelle, je vous assure, on a travaillé pendant 2 mois. Si Fadl est là ou non, on a travaillé ensemble pendant 2 mois et on a voulu mettre fin à ce régime forfaitaire d'imposition et nous avons conçu un nouveau régime que nous avons appelé le régime fiscal de la micro-entreprise et en une seconde, en 2 minutes, je ne sais pas à quelle heure Flir, non, ce n'est pas intéressant, il faut rejeter cette disposition et ça a été rejeté. Donc on n'a pas d'assise politique qui puisse soutenir les propositions qui sont formulées. Donc, la suite. La réforme, c'est un processus, ça continue. Et nous cadrons. Jusque-là, les résultats sont modestes. D'ailleurs, le VTR l'a prouvé, ma consoeur aussi l'a démontré, et ça continue à être modeste à travers même les dispositions du projet de loi de finances. Le président Bourguiba, qu'est-ce qu'il a dit ? Allah yarham. Allah yarham, قال, être réaliste, c'est préférer une réforme modeste qui en permet une autre à un miracle impossible. Donc, on est loin de prôner la réalisation d'un miracle. Mais c'est une réforme modeste. Bon, qui ne va pas préparer une autre réforme, mais qui va continuer pour suivre la réforme. Pour arriver où ? Pour arriver où ? Pour continuer à préparer cet édifice-là, à finaliser ce système-là. Comment on va le finaliser ? Et le jour où on disposera d'un code général des impôts. Le jour où on va vous dire, voilà, ça c'est le code général des impôts. Et il ne faut pas trop rêver. Il ne va pas être trop simple, facile à lire, etc. Le code général des impôts français comporte 2178 pages. Le code général des impôts marocain comporte 1600 pages. Donc on ne va pas faire un code général des impôts de 25 pages qu'on peut lire entre midi et deux en étant... En prenant le déjeuner. Ça m'a dit, c'est pas qu'est-ce qui nous empêche de réunir les textes ou avoir un code. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. On va dire que, voilà, on peut dire aujourd'hui, la réforme, je ne dis pas achevée, mais on a bien accompli notre mission. Lorsqu'on aura le code général des impôts. Je vais vous dire une chose, il est prêt. Le code général des impôts, je l'ai au bureau, il est prêt. Sauf que ça nécessite d'autres retouches. Et sincèrement, on ne peut pas le faire passer aujourd'hui devant l'ARP. C'est 800 articles, c'est plus qu'un millier de pages, et on ne peut pas le faire passer. Et puis, qu'est-ce que la solution de réunir. C'est pas là. Le code général des impôts, c'est la meilleure solution pour simplifier. On ne peut pas avoir code de l'IRPP, code de l'IS, code de la TVA, code de la fiscalité locale, code du droit d'enregistrement, code du droit et des procédures fiscaux, autant un seul code général des impôts. Il est prêt, on va le finaliser. Et puis, la chose la plus importante, c'est la traçabilité. C'est la traçabilité. Donc, Shahana, qu'est-ce que nous devons viser 2019-2020 ? La traçabilité, c'est-à-dire, il faut que l'administration, il faut que toutes les transactions
puisse avoir une piste de contrôle et une piste de suivi, n'importe quelle transaction. Et pour assurer la traçabilité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire au maximum possible le retour, le recours au cash. Et mon souhait, Yarab Inch'Allah, l'Assemblée ne rejette pas la disposition dans le projet de loi de finances qui va interdire le recours au cash au-delà de 10 000 dinars pour tout ce qui est opération immobilière et opération portant sur l'acquisition des véhicules. Inch'Allah Matiach. Avec la traçabilité. Donc, j'ai un code général des impôts, la traçabilité. Troisième élément, la digitalisation de l'administration. Alors, notre administration dans un état, excusez les termes, lamentable. Après, à part quelques grands centres de contrôle des impôts, les bureaux de contrôle des impôts sont dans une situation de manque de matériel, humain, matériel, personnel, tout ce que vous voulez. Et en nombre surtout. L'effectif de la DGCPR, Direction générale du recouvrement, de la comptabilité publique et du recouvrement, avec la Direction générale des impôts, c'est-à-dire le contrôle, n'est même pas 10 000. En France, c'est 120 000. C'est plus que 12 fois, 12 à 13 fois. Eh, mais c'est... Alors que nous, on a besoin de plus. Pourquoi? Parce que la digitalisation est... Le taux informatique est 1000 fois plus développé, donc nous, on a plus recours à des ressources humaines. Donc, il faut digitaliser, il faut renforcer le recours à l'informatisation. Et puis, autre chose, il faut trouver une solution pour ce régime forfaitaire. Il est inadmissible que des restaurateurs déclarent un chiffre d'affaires de 3 dinars par jour. Il est inadmissible de perdre 1 milliard de dinars par an. 1 milliard de dinars par an, exactement 900 et quelques millions de dinars, si tous les forfaitaires déclaraient un revenu qui correspond au salaire d'un fonctionnaire moyen. C'est ce qu'a pensé l'ISE déjà, c'est vrai, c'est le BAPCH qui a une solution. C'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, gérer ce pays comme ça. Il faut trouver des solutions à ce phénomène-là le plus rapidement possible. Et aussi... renforcer l'engagement politique. On a besoin d'un engagement politique. On a besoin d'une coalition solide, robuste, qui puisse soutenir nos propositions. Une dernière remarque, et je m'excuse si j'étais un peu lent, une dernière remarque sur... Pas tu es la tête les solutions. Déjà, l'ISE hadra. Donc, je m'arrête là. Hadra les solutions. Bab, je n'ai rien confirmé. Je m'arrête là. Mais qu'est-ce qu'on a le récap, c'est vrai. Le souhait, il y a un récap, c'est quand est-ce la réforme de rupture. Quand est-ce qu'on a le contact qui fait le coup. صعيب السؤال تو حتى نقول لك هذا بير on est là je crois هذا بير قلت لك il faut un engagement politique trop fort, il faut une coalition robuste. يزيد سجل علي هذيك الساعة والناس اكثر من هكا وضوح لنا ما عادش عاش اذا كان ثم اسئله من الساله من الابليكاسيون زاد كيف كيف ما نحكيو على الديجيتال اذا هاد نسبقوا الديجيتال قبل اذا كان ثم اسئله من الابليكاسيون وهات نبداو بالساله سيدي ماذا بينا دي سوليسيون زاد خاطر مو العباد تدل لا ماذا يعطينا سوليسيون ماذا بها العباد تسمع سوليسيون اكثر منها اناليس تفضل سيدي اوفون بالعربيه كوم دابيتود جو في كومونسي باغ اون هيستوار كنت عرفنا بروحك قبل كل شيء هكا ماهر قلال ISE. Alors en fait, c'est une femme qui vient dire à son mari, moi, je fête, aujourd'hui, c'est notre 10e anniversaire de mariage. Et j'ai rêvé que tu m'offrais un collier en diamant. C'est quoi l'explication de ce rêve? Il lui répond, l'après-midi, tu vas comprendre. Donc, elle attend, l'après-midi, elle arrive. Un beau paquet, elle ouvre et elle trouve le livre d'explication des rêves. Et nous, dans les réformes, nous avons le livre d'explication des réformes, mais on ne fait pas de réformes. Parce qu'il y a une différence. Parce qu'en fait, une réforme de rupture, pour qu'elle soit implémentée, il faut effectivement qu'elle ait
l'apport politique et le pouvoir politique. Mais pour ça, il faut une vision. Il faut savoir où on va. Moi, j'ai l'impression que lorsqu'on fait les textes, on fait des textes pour trouver comment trouver de l'argent pour cette année, mais on n'a pas en tête s'il y a une solution qui va nous permettre de réduire, soit on est à 20% de GDP de dépenses, ou bien on a un système qui réellement va relancer le développement. On avance, parce qu'une rupture, c'est une rupture sur la façon de réfléchir, sur la façon de penser et sur la façon d'implémenter. Donc, en fait, vous avez raison. Avant de faire cette réforme, il faut vendre cette réforme aux partis politiques. Et pour ça, il faut une vision claire qui dise « on va trouver la solution ». Et à ce moment-là, on trouvera la solution. Et merci. Je peux répondre tout de suite, voilà. Je te réponds. Le contribuable n'est pas l'épouse qui a besoin de collier et l'administration n'est pas le mari qui essaie d'induire son épouse en erreur pour lui donner le livre. Loin de là. Donc, le contribuable n'est pas la femme, l'administration n'est pas l'époux. D'accord ? Donc, l'exemple, ne cadre pas avec le contexte. Chouf, on n'a pas vendu de rêve. Tout simplement, il y a tout un programme, il y a une seule partie de ce programme qui a été mise en œuvre, je vous ai dit ça. Et que notre système fiscal est encore malade. Jusqu'à aujourd'hui, je le dis sans rougir, je n'ai pas à rougir. D'accord ? Tbaka, on ne va pas baisser les bras. Et ne kemmechen habtida, il m'chala rouha. La réforme, mais il n'y avait pas de cadre méthodologique. On n'a pas impliqué des macroéconomistes, des spécialistes en économétrie, même des psychologues, etc. On va continuer cet effort-là avec des simulations, avec, d'accord, la prochaine étape, il va y avoir, d'ailleurs on a commencé, blèche simulation, d'accord, blèche incidence macroéconomique, ça dure. Deux, il faut une coalition politique solide pour faire passer les mesures qui restent. Il y a des mesures qui restent, je suis parfaitement d'accord. Mais tant qu'on n'a pas baissé de manière importante, remarquable, la pression fiscale, ne doit pas dépasser 16 à 18% maximum. Ce n'est pas un engagement de ma part, loin de là. Ah, mais je conçois qu'une pression fiscale qui dépasse les 16 à 18 au grand maximum, elle devient pénalisante. Je crois que la première tranche d'imposition de l'IR qui commence à 26%, c'est énorme. De l'autre côté, il y a des finances publiques mahrouba. Tu ne peux pas instaurer ces mesures. C'est petit à petit. Bon, collier, moi, je suis en diamant, j'ai beau le 9 carats pour commencer. Ben, j'ai beau le diamant. Avant de commencer, il y a un petit commentaire, M. Jaouz, là, vous battez, Mme Sirim. Tunisian people and entrepreneurs made the verdict on your monetary and fiscal policies as more than 50% of GDP is in the gray area. So if you look at the GDP in your country over $40 billion, so $20 billion goes untaxed. No taxes for $20 billion. And in the whole world is like under 35% of the whole economy is in the gray area because people refuse and reject the system. They believe it's too repressive. They believe that they cannot afford paying so much taxes. So the only solution is just to adjust to the will of the people and explain to them where the revenues should come from. And according to the recent Doing Business Index, you are like 135th, I believe, in the world in terms of total tax revenue, total tax burden. You tax over 60% of gross profit. That means that you tax over 65% of value added. That's the way to kill business. Essentially, if people, trade unions or customs union, customers union, whatever, don't understand this, I'm sure that they do. But you have to first change the composition of taxes in the tax code. I am a member of the presidential group to overhaul tax system in my country. And the tax authorities, they stick to the old frame. They don't want to get out to make disruptive decision, innovative decision, based on the situation both in the country and the imperatives of the fourth industrial revolution. If you don't deliver on the new tax system in the next 10, 15 years,
First, we are losing young, talented people. They will go abroad. Secondly, you have a big problem of how to employ young people in the country. So if you do not have a proper tax system, which, for example, I describe, then you have like 10, 15 million Tunisians thinking what they should do. And if you do not have economic growth because of taxation and old thinking of the people who believe that the government should be 50% of the economy, you are having a security problem. And that also should be taken into account while you deal with international organizations. Because IMF, World Bank, I cannot recall a single country in the world that became prosperous because of their recommendations. So be careful when they give you recommendations to increase taxes, to balance, to achieve macroeconomic stability. And this is the essential when you look at the historical data. There are 8 countries in the world that grew by more than 5% for 50 years. But a single country had, again, tax burden over 15% of GDP, and they never worked with the IMF and World Bank on international lending. That tells you that they rely on the most trustworthy foundation for development, small and medium-sized businesses, self-employed, and the people. Because people would probably ask, either you have any savings under the mattresses. People will say, of course we have. Do they keep them in dinars or dollars or euros? So then, I think in my part of the world, 99% of savings is in hard currency because people don't trust the unstable local currency. So again, this is another stumbling block that was discussed in the first panel, but if you have innovative approaches to monetary policy and fiscal policy, you are sure to have 9% GDP growth for another 20 years. Just be careful about it. Be serious about it. Shukran. قبل ما ناخذ سؤال عاودوا روحكم زاد على الابليكيشن معناها مشيو للنيميريك مشيو للديجيتال تفضل سيدي لو تعرف روحك ساعه قبل كل شيء كتب زين ممكن مانيش من اقوى الناس في الفيسكاليتي كما لا ماجوريتي تاع التوانسه مي جو في نعطي اون امبرسيون على اللي سمعته تو على فهمي للحديث اللي صار على الفيسكاليتي ومن بعد ثم سوليسيون من بعد باش نعطيكم دو بروبوزيسيون دو بروبوزيسيون حاجه باهيه قيدوا معايا انا داكوردو بالطبيعه هكا داكوردو بون الاشكاليه الوحيده انه سي الرينيون جاي لامبرسيون كاين تتم الرينيون تاع الصباح تحكي على ليزيكليبر اكثر من الفيسكاليتي ويلي حكى عليهم سي فيصل دربال سو سون بلوتو لي دي بيشي بوسيبل اللي نجموا يصيروا في الفيسكاليتي ماهوش لي ريفورم اللي صاروا على 10 سنين اللي فاتوا بمعدل واحده في العام داكوردو D'ailleurs, il a évoqué d'une manière très indirecte car qui veut amener, achetez-nous un bêche amener une réforme à double imposition à la dividende ou pas tellement que t'as l'air. Où il a expliqué, nous comprenons les raisons. Ok, donc, on a évoqué un peu n'amlu la n'amlu une réforme de fiscalité. Est-ce que même les articles les uns de vos bureaux, il a quand même des choses que tu peux me faire 400 pages. On a خير على خاطر باش نحطوهم في 1600 صفحه ما حليناش المشكله la solution elle est simple قالها notre invité يقول لي قال حاولوا تخموا في 3 ولا 4 تو وتعداو باش تجمعوا الكومباريو وتجمعوا تثبتوا وتجمعوا تعملوا لا ريكوبيراسيون pour la digitalisation d'accord نحب نقول راهي الي باهيه وعندنا لي انجينير اللي نجموا يعملوا لك اللي تحب عليه sauf que l'informatique ما يمشيش برشا باللي زيكسيبسيون éliminer les exceptions, les cas d'exception, généraliser, hein, la standardisation, tout à l'heure, la digitalisation, même le tableur Excel, tout à l'heure, elle est possible et à la portée de tous les Tunisiens. Shukran. Merci. 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 Fiscalité, avec tout ce que vous m'avez posé comme question, vous comprenez parfaitement la fiscalité. Avec les questions que vous m'avez posées, vous maîtrisez la matière, vous maîtrisez la fiscalité, très bien. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je ne peux pas vous garantir 400 pages, sauf si on réduit la taille, la police. Voilà, on a mis la fiscalité. 400 pages, il y a peut-être un peu, je vais vous dire. C'est facile. Mais on a mis la digitale, on a mis la slide. Voilà, page A3. Page A3, oui. Là, Saïb, écoutez. Chouf, là, il y a un choix. Écoutez, chouf, vous avez le code de l'IRPP et de l'IS, vous avez le code de la TVA,
Vous avez la loi sur les incitations fiscales, le code des droits et des procédures fiscales, le code des droits d'enregistrement, le code de la fiscalité locale. Déjà, peut-être j'ai oublié des codes. Dis-moi, je compte 100 pages. Dis-moi, je compte la France à 2178 pages. Trop les. C'est pas l'exemple à suivre. Le Maroc. Le Maroc. D'accord. Maintenant, James. Il faut être sahar, mais je travaille jamais même le col 400 pages quand même. Maintenant, James. Mais. De toutes les manières, on ne peut pas discuter cette question. Mais on va faire au mieux. On va faire au mieux pour qu'il soit le plus possible intelligible, simple et facile à manipuler. Mais la image, c'est facile. Inch'Allah, on va faire au mieux. Mais, Souhel. محمد وزيد سي فيصل انا خرجت من الياشو سي عام 87 عام 87 وقت اللي قرينا فيسكاليتي قالوا لنا لو ريجيم فورفيتير حاجه ترانزيتوار باش تتنحى 31 ans après on est encore dans le provisoire وكان ثم حاجه تخرب اليوم في الفيسكاليتي سي لو ريجيم فورفيتير خاطر ورا لي فورفيتير يا تو لا معناها ليفازيون و جو ديري ميم حتى معناها لي غراند اوبيراسيون كي بوف demain tomber sur nous derrière ces systèmes qui ne sont pas contrôlés l'idar ma traqibch les forfaitaires et donc aujourd'hui on parle de mesures il ne faut pas 36 000 mesures mais si on veut faire une bonne mesure yizi qarina barsha comptable ouet qarina barsha fiscaliste mhomch qadin yخدmo khater l'abed koulha mhech qada tentj fi de la comptabilité qui est auditable ou les tnajem nes tkhallas alayha l'adaat kima yelzem dans un esprit la réforme c'est quoi c'est pas que des mesures c'est l'équité c'est l'égalité et c'est la bonne répartition donc tnajem n'amelha ma najemch nkhalli deux tiers les agents économiques en dehors d'un système donc moi j'insiste pour que cette équité se fasse khallina nakhdou une mesure importante ou nqoul waqf alayna le régime hada forfaitaire ou dakhl l'abed koul comme ça on peut les contrôler du'afa el hal puisque vous avez des barèmes elle mais mouch bikhlat à des niveaux élevés de rémunération il payera pas d'impôts puisque de toutes les manières aqal men des seuils l'impôt est nul donc les gens du'afa mouch hadouk et je peux vous dire que la technologie tawrat qalouna le forfaitaire waqt li hna sghar naqra yqoulouna hadouma khater ma ana système ma anach comptabilité ma anach informatique aujourd'hui les forfaitaires et les délinquants ou les harbins, l'évasion, ils sont plus informatisés, plus sophistiqués que notre administration. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut prendre cette décision. Et si vous la prenez aujourd'hui, 2021, vous n'allez pas mettre le taux de 13,5% pour quelques entreprises. Vous mettez le 13,5% pour toutes les entreprises et on sera tous gagnants. Merci. C'est une simplification aussi. Là, monsieur c'est vrai, c'est une simplification aussi. Non, Mohamed. Amnaoul. L'année dernière, on a préparé un projet de texte. Hadart Meloul, là, j'en ai parlé. Amène le projet de texte. Qui m'a carré, je ne suis pas d'où. Voilà, il d'où. Taïhouli, il faut l'RP, je suis amené à Amel. Taïhouli, je m'ai dit que j'ai fait, tiens, aïe. Homme, laissez-moi tout d'où. Aïe, je t'aime. Je m'ai dit que j'ai fait, homme, Raoul. Là aussi, ici, il m'a joué, moi. سمعتك طيح امي اه مش معاه موجود كيف تفوق شبيس سمعتك طيح امي وجماعة اخرين والله ان اكسلون ان جو فو جاسور جو فو جور اون ا ترافايي لاتسو توا بارلون سيريوزمون اون ا ترافايي لاتسو بوندون دو موا سيتي لو موا ديتي جوي اوت انا وصفات العب كيف يذكروا بالخير نخدموا عليه كل نهار وخرجنا ان اكسلون دوكيمون اي ان اكسلون بروبوزيسيون سي اون فيريتابل روبتور والله سي اون فيريتابل روبتور معناها عملنا الزونينغ وعملنا داكور جاو في الار بي طيحوه شو تحبي نعمل عندك حق رد من بعد من سي ياسين ابراهيم يعاودوا طيحوه صعيب هو كون عندك كتله باهيه برلمانيه ما عندي شيء انا ما عندي قرب انت ليه ما تنجم تكون ام تي كومونتير من دم سيرين وبعد ناخذوا الاسئله البانيل هذا حل الشاهي الاسئله تبارك الله هو توجور بور كونتينيي في الريجيم فورفيتير Si mes souvenirs sont bons, il y a une disposition, elle traîne les forfaitaires pendant 3 ans qu'a haut le régime. Bah, ils sont obligés de justifier pourquoi ils doivent renouveler éventuellement leur adhésion au régime forfaitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau. Voilà. Est-ce qu'on a des mesures d'évaluation où elle allait
parce que je pense que Hedeya, si ce n'est pas une mesure de rupture, mais c'est de toute manière une occasion pour pouvoir élargir la base imposable. Et donc il faut renforcer le contrôle à ce niveau-là. Et là, je partage complètement la vie. Moi aussi, moi aussi, je suis d'accord. Khader, vos petits commentaires, madame, monsieur Jaroslav. Talking about flat rates and advantages. We're talking about 500 pages. French has like 2,000 pages. That will be the whole tax code if you have three taxes I propose. Period. Retail sales tax, one flat. Personal income tax, 10. And excise taxes, that's it. So no interpretation by tax authorities, no need to avoid nothing. The incentive structure is that it's much more beneficial to pay 10% if you make money on for your own, or flat, you go to the shop, you buy retail, sales and services. I calculated that for like 15 countries. And the rate would be like about 15% based on your social security obligations. If you have generous pension contributions, then that's probably a little bit higher. But in the end of the day, just imagine what kind of gray economy reduction would be, and you'll have a tremendous synergy in the whole economy because everybody will be the equal fee. Import, export, manufacturing in different sectors. The synergy and the benefits of that reform would be so tremendous that you probably will just forget about the cost of this kind of fairness issue. Because right now, if you talk about this flat rate for this and that category, bureaucrats always decide whether it's reasonable or not, whether it's timely or not, whether it is a good sector in line with strategic directions of the country or not. These are not decisions made by the people. But I think that, again, I trust more people and SMEs, self-employed people, because that's about inclusion, regions, youth, and women. There are three important categories that you have to take in mind in this particular tax system to empower them and let them be equal in opportunity. Nourdine Ben Arbi. En fait, je vais parler un peu loin de ce qui vient d'être dit, parce qu'on vit une frustration à chaque fin d'année. Micro, choix, c'est Nourdine. On constate qu'on est en train de vivre une frustration à chaque fin d'année. Le gouvernement vit la frustration de son budget, et les entreprises vivent la frustration de ce qu'il va y avoir comme nouvelle disposition pour, disons, aggraver la situation avec tout ce qui se passe sur le plan économique. Et donc, la première réforme à faire, ou les premières réformes à faire, c'est, pour moi, je vois qu'il y a trois réformes. C'est des propositions qu'il y a dans ma ligue. Déjà, j'ai une proposition même pour le titre de Samahouni, je m'excuse auprès de l'équipe, des organisateurs, même pour le titre de, qui est attribué, moi je dirais, c'est État, entreprise, réforme de rupture. État, entreprise, parce que finalement, il n'y a pas de réforme d'entreprise, c'est une réforme de la relation entre l'État et l'entreprise. En tout cas, l'entreprise chapeautée par l'État. On doit... Non, non, non. Plus ou moins. Je vais expliquer. La première réforme, il faut abandonner le fait qu'on soit des adversaires, l'État est adversaire des entrepreneurs. C'est ce qu'on sent. C'est ça la frustration. Pour aller vers... Le partenariat, nous avons un but commun, nous avons un pays en commun, donc l'État et l'entreprise doivent être des partenaires. Et là, c'est une relation qui va tout changer dans tous les concepts et dans tout ce qu'on va avoir. La deuxième réforme, bien sûr, on va quitter la méfiance, parce que finalement, l'administration, elle est en train de voir, d'établir des textes et de voir des textes, et on l'a vécu avec un ancien directeur général des impôts qui a dit au chef d'entreprise, il a dit, c'est simple, on voit ce que vous êtes en train de faire, d'où est-ce que vous trouvez les sorties, et nous allons boucher là où vous avez la possibilité de sortir. Donc, il faut abandonner la méfiance et établir la confiance. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir discuter. Et finalement, le plus grand problème et la grande rupture, on doit rompre avec l'hésitation. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut être un pays fermé ou un pays à l'international ? Si on veut être un pays fermé, on peut se permettre une disposition
qui est prévu dans la loi de finances pour venir à l'assureur de l'information financière, qui est l'expert comptable, qui est censé assurer les utilisateurs des états financiers, et on va lui dire, monsieur, vous devez, voilà, vous avez l'obligation de communiquer des documents de vos clients à l'administration fiscale. Ça, c'est quelque chose que vraiment, alors que nous sommes tenus, et les experts comptables, dont je parle en présence de beaucoup d'experts comptables, nous appliquons les normes internationales et nous appliquons donc le principe de la confidentialité, on signe la confidentialité. Les membres des équipes qui vont dans des entreprises signent des papiers de confidentialité. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Et quelle est la confiance qu'on va pouvoir recueillir de cela? Et c'est pour cela que moi je dirais qu'au lieu d'établir ce genre de choses, voilà une proposition concrète, et je reviens sur une ancienne proposition, si vous voulez. Merci. C'est ce qu'on appelle la certification fiscale. Vous voulez impliquer l'expert comptable? Et mes confrères là, je ne crois pas qu'ils vont me dire non. Ok, mettre en place un système de certification, nous certifions les comptes, nous avons comme diligence la revue fiscale. Donc quand on donne une opinion sur les comptes, y compris la régularité de la fiscalité. Et l'administration a reconnu ça. Elle a reconnu par, c'est ça l'hésitation dont je parlais, elle a reconnu ça en reconnaissant ou en donnant un avantage aux entreprises qui veulent faire la restitution du trop perçu de crédit d'impôt, qui ont des commissaires aux comptes, mais malheureusement par un autre rapport du commissaire aux comptes. Eh bien, établissons par exemple la certification fiscale. Remettez cette question à Faisal, vous êtes le responsable des grandes réformes fiscales. Il faut remettre cette question sur la table et en discuter avec l'ordre. Merci. Très léger, au cas là, c'est la question, si c'est possible. Voilà, c'est facile. La question a été déjà soulevée par madame, par ma consoeur Céline Brunvan, pour le secret bancaire. C'est un vrai problème, qu'est-ce que je vais vous dire? Alors, je viens d'en parler. Secret professionnel. Encore une fois. Pour le secret professionnel, c'est vrai, tel que libellé, l'article 33 prête à équivoque et met à la charge de certains professionnels des obligations, voilà, une obligation qui n'est pas la leur. Je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement. France, c'est pas ça. D'accord. Le montant d'accord. Des honoraires. Pourquoi donner toujours l'exemple? Je suis parfaitement d'accord. J'ai essayé d'échapper à la question de Céline. Tu m'as posé la question. Non. Tu as raison. Tu as raison. Et j'en ai parlé à monsieur le chef du gouvernement tout de suite. Une autre question. Ah, Badjik, celui. Le ministère des Finances qui l'a proposé. Question au fond de la salle. Rief Habib. Kentam, c'est juste Terf. Ok. Donc, les réformes, c'est, quand on parle de réformes, on parle toujours des taux variables. Mais on n'a jamais parlé des taux fixes. Je pense que les taux fixes sur certains services de l'État, peuvent aussi améliorer la caisse de l'État, comme par exemple au niveau de la déclaration de douane, qui n'est que de 6 dinars, ça fait longtemps. Par exemple, la visite de douanier n'est jamais facturée. Peut-être le douanier, il facture, mais la douane ne facture pas. Le minimum d'impôt, c'est toujours le même, alors que le minimum d'impôt peut... Et rectifier un peu le régime fiscal forfaitaire. Et tout ce qui est fixe, on peut aussi le réviser un peu à la hausse, pas à la baisse. Et ça peut, on n'a jamais parlé de ces taux-là. C'est des redevances, oui. Oui, on peut mener la réflexion sur ce sujet-là. Une question, si vous voulez. Ouh. Ah, bien sûr. C'est l'après-midi, je suis un peu fatigué, donc je vais être très soft.
quand vous étiez de l'autre côté de la barrière, avec un certain ministre des Finances, Slim Shekhar, il était venu nous voir une soirée de Ramadan pour nous expliquer sa vision de la fiscalité et son projet pour la fiscalité. Et il nous avait dit, nous allons donc opérationnaliser, si je puis dire, ou mettre en application le taux sur l'export qui était reporté d'année en année à 10%, baisser le taux sur le local à 25%, et petit à petit, en montant l'un, baissant l'autre, faire un taux unique et supprimer la dichotomie offshore-onshore, supprimer la dichotomie export-local. Je passe sur ce qui s'est passé entre-temps, avec 17,5 et 32,5. Il n'y aura plus de pression supplémentaire sur les entreprises. Et moi, j'ai été surpris en lisant le projet de loi de finances. Déjà, on a du mal à comprendre quand les dispositions sont faites pour l'année de la loi de finances. Là, on trouve des dispositions futures. On trouve dans une loi de finances de 2019 des dispositions qui ne seront appliquées qu'en 2021, sachant qu'entre-temps, de l'eau aura coulé sous les ponts, ou les dara tbaddal, ou les iri tbaddal 10 marat, et probablement ce qui a été voté pour la loi de finances 2019 ne sera jamais appliqué en 2021. Mais bon, il y a tout le ilm al-ghaib, donc je ne veux pas... Et donc, dans cet article sur 2021, on cite un certain nombre de secteurs pour lesquels on dit, Rahou, on va baisser le taux de 25 à 13,5. Alors, René, je me pose une question. Est-ce que derrière, il n'y a pas l'idée de se dire, on va faire un taux unique à 25% et on va créer des niches fiscales pour certains secteurs à 13,5%? Et dans ce cas-là, certains secteurs, dont le mien, passeraient à 25% aussi bien pour le local que pour l'export. Et le mien aussi. Ben, alors, Samahni Nhabban Kolok, pour rattacher ça à mon intervention de ce matin, eh ben, je peux vous assurer, c'est facile. Et les NLUM, je suis en train de me poser la question si je ne délocalise pas mon activité. Et j'ai deux manières de la délocaliser. Soit en créant une filiale à l'île Maurice, soit en ne créant pas une filiale, en créant une société sœur à l'île Maurice avec les mêmes actionnaires et les mêmes dispositions d'action. T'as pas fait, Yama ? Ça veut dire que si je crée sous cette forme-là, eh ben, il n'y a plus de dividendes distribués Fitouns, parce que les dividendes peuvent être distribués n'importe où. Il n'y a plus qu'un centre de coût Fitouns. Il n'y a plus de revenus qui rentrent Fitouns. Et je peux vous dire une chose, c'est Faisal Lyon. Vous allez habiter où? Je peux habiter où je veux. Là, je me khalas des impôts. Ma chérie, comment je me khalas des impôts? Même l'impôt sur le retenu à la source sur les dividendes, mais je me khalas puisque... Je suis Tunis. Je suis Tunis. Bénéfice, je suis dividende ou la coulée. Non, je suis bénéfice. Bénéfice. Et le flux de la SMB, je suis Tunis. تعطيهم لي انا كشخص انا باش انا باش نخلص لامبو بيان سور انا ديما نخلص لامبو هذيك ماهيش مي سي با سي با ان بروبليم ان سوا نحكي على شركه انا تو نحكي على شركه اللي نحب نقوله لك اللي راهو لو جور او فو ميتري 25% سور سو تيب داكتيفيتي اللي نتوما تقولوا تحبوا تعاونوا التصدير وتجيو لدي زاكتيفيتي كي سون اكسبورتاتريس نت qui sont créatrices de valeur ajoutée, qui n'importent aucun intrant, qui produisent à 100% ici et qui vendent à l'international, je peux vous dire que vous tuerez le patriotisme économique et que la question de la délocalisation que je me pose aujourd'hui, eh ben en 2021, si vous faites ça, elle ne sera plus posée. Et la réaction sera immédiate et la délocalisation sera l'unique solution. Et qui perdra au bout du compte? Peut-être qu'un jour, je me dirai, ah oui, mais tiens, il y a des compétences à l'île Maurice. Ah, mais tiens, il y a la possibilité d'employer des Indiens. Ah, tiens, il y a... Et puis finalement, pourquoi avoir ce centre de coût ici en Tunisie?
eh bien, finalement, il n'y aura même plus rien en Tunisie. Alors, continuez sur cette voie, si Faisal, et je peux vous dire que le résultat, il sera très surprenant pour vos chiffres et pour votre petite comptabilité publique. Merci. Un petit commentaire, si Faisal, M. Jaouzlou, un petit commentaire. Bon, commentaire, tout d'abord, tu n'as pas été sage, pour commencer. Quand je veux être sage, Walid, chouf. Je porte la casquette de conseiller du chef du gouvernement depuis 2 ans, quelques mois. Mais je suis expert comptable, imbibé de la culture d'entreprise, de la relation entreprise-fiscalité. Je l'ai pratiqué pendant 3-4 ans dans la transparence la plus totale. Donc, je suis très conscient de tout ce que tu viens de dire. Je l'ai posé à plusieurs reprises. Le salut maintenant, c'est qu'on parle d'une révision de Manzoum MTZ Jibéa. Œuvrons ensemble. Vous pensez que je n'ai pas soulevé ces questions? Je les ai soulevées. La promotion immobilière, c'est inutile. D'accord? Heureusement que la promotion immobilière, en fin de compte, la solution a été apportée. Donc, on reconnaît le crédit de TVA. On a reporté le 19% à 2021. D'accord? Donc, nous sommes en train d'œuvrer. Tu ne peux pas imaginer que nous sommes en train d'applaudir toutes les mesures qui sont prises. Et là, c'est Afif Chalbihouni. Il chouffe, qu'est-ce qu'il y a de l'étrape, à 13,5, ou à liste, etc. Tu n'as pas un pouvoir de décision. Inch'Allah, début 2019, il va y avoir un toilettage, disons, de dispositifs des avantages fiscaux, d'accord? De la législation régissant les avantages fiscaux. Essayons d'introduire cela, chacun de son côté, l'ISCE, l'UTICA, Connect, les autres think tanks, les partis politiques, et ils doivent peser de leur... Les partis politiques, chouf, il suffit d'avoir 10 députés qui vont proposer l'avantage accordé à l'export de services, que ça peut passer. Pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi on n'a pas sensibilisé deux partis politiques qui ont un pouvoir de décision aujourd'hui à l'ARP, avec une proposition qui émane de 10 députés, et on peut faire passer la proposition. Bon, de l'autre côté, vous mettez tout sur le dos du gouvernement et du conseiller du chef du gouvernement. Qu'est-ce qu'il peut faire, le pauvre? Rien. Ben, pour être honnête, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, t'as pour revenir, le 2021. Clément Gsaïa. Ça, c'est un engagement qui est pris avec l'OCDE, qui est le 5 décembre. L'OCDE, l'Union européenne. Le 23 janvier, avec l'engagement d'aligner onshore-offshore en 2021 et tout en s'engageant dans la loi de finances de mettre cette disposition. إذا كان ما تحطيش الديسبوزيسيون في المتحف تجاوب تزيد لا فايسل باش نقول لك سوا سي اون بون ديسبوزيسيون سوا سي اون موفيز سي سي اون بون élargissons la à tous les secteurs سي سي اون موفيز ne la mettons pas en place mais pourquoi quelques secteurs allez je suis parfaitement d'accord je suis d'accord avec toi tu n'as pas je suis d'accord avec toi un petit commentaire de monsieur Jaouzlou that's why I hate corporate income tax and dividend tax because it creates unintended consequences both for the government and businessmen. Most of the countries, I believe, rich men, people who care about corporate income tax and dividend tax, they hire the best lawyers, the best accountants, they can do magic with their money. Over 65-670 offshore special tax treatment territories worldwide. It's not a problem for a rich guy to set up an entity and come up with a scheme to avoid paying taxes. That's why these taxes are bad for the country, bad for the rich people who can be investors. And another important side effect is when you introduce the dividend tax or corporate income tax with a higher margin, then, and of course, big business don't pay more, then public perception is that rich guys don't pay at all while the tax burden goes to SMEs. That creates animosity and hostility between SMEs and self-employed and rich people, which is, and again, not the right way to get the coalition for tax reform and for comprehensive economic reforms in general. So
So that's why instead of alienating rich people, making them go to different jurisdictions, you'd rather listen to what they say and think about the role they play in investment, in modernization, in disruption, and making new jobs happen. That's why, you know, the different approach to taxing should be applied at least in the time when you don't finish this transition until like a well-developed economy. And this transition, you can just have indicators when you
c'est le mot de la fin. Et on... des réponses aussi. Sauf que la situation de ces entreprises est catastrophique à cause de l'excès et d'une politique sociale, excusez le terme, marxiste. Aujourd'hui, une société régionale, une société nationale de transport, je cite, c'est la Transfu. Transfu, avec un chiffre d'affaires de 63 millions de dinars et des charges de personnel de 236 millions de dinars. Alors, 63 millions de dinars de chiffre d'affaires, je répète, 63 millions de dinars de chiffre d'affaires et 6 millions de dinars de charges de personnel. Les 2,36 millions de dinars de charges de personnel, c'est le tiers, approximativement le tiers, pour les receveurs et les contrôleurs. C'est ce qu'on lui a dit. Et pourquoi ça? Et pourquoi cette situation? Parce que la société n'a pas augmenté ses prix, tenez-vous bien, depuis 2003, sauf une seule augmentation en 2010. Les prix de transport n'ont pas augmenté de 2003, à l'exception de 2003 à 2018, il y a une seule augmentation de prix en 2010. Idem pour la SNCFT. Aujourd'hui, vous prenez le train, climatisé l'été, chauffé l'hiver, à 500 millions pour aller à Hammamneuf, et à 500 millions pour aller à Rennes, et à 650 millions pour aller à Hammamneuf. Kif, des tarifs qui n'ont pas bougé depuis 2003. Donc, qu'est-ce qu'on veut? تزيد سوسيال ما تزيدش شفت كيفاش الوضعية صعيبة برشا بالنسبة لخالد خالد جو سوي بارفيتمون داكور ودير والله جو ترافاي لاسوي مع سي عفيف وكيف كيف لا فيزيون لا كيستيون دو لا فيزيون راهو الفيزيبيليتي مش واضحة اما الفيزيون موجودة شنو نحبوا انا امنيتي قبل ما نخرج ونكمل المهمة نتاعي سي ريدوير سكون ابيل لو ديري دو لا ليبراسيون فيسكال اي فير لو بوكلي فيسكال لو بوكلي اللي جبد عليه سي محفوظ Le bouclier fiscal, c'est-à-dire un maximum d'une pression fiscale que vous ne devez pas jamais dépasser entre taxes de circulation, IR, etc. On ne peut pas dépasser le bouclier fiscal. Bonjour, tu feras ça. Ou avec la libération fiscale, c'est-à-dire la libération fiscale. À partir de quel moment tu es libéré de tes impôts? C'est-à-dire tu jouis de tes revenus après avoir payé l'impôt. Si vous payez 50% de vos revenus bruts comme impôt, vous êtes libéré le 1er juillet. Ahna, l'objectif, c'est que nous wakhar au maximum. On ne va pas être le 2 janvier, bien entendu. Mais, tawa, approximativement, on est le mois de mai, taqrib, moyenne. N'habbo nakhltu, avril, fin mars, la date de libération, c'est-à-dire à partir de quelle date, tous les tikhdem rouhak. C'est-à-dire, vous travaillez, vous gagnez pour vous-même, vous aurez payé. Tous ces chantiers-là sont ouverts, on travaille là-dessus. La situation est très difficile, je ne vous cache pas. Bon, maintenant, vraiment, c'est très difficile. C'est tout ce que je peux dire. Merci, Sifaisl. Monsieur Jaroslav, pour le mot de la fin. Let me give you two friendly advice, if I may, based on the economic science, economic history, and the knowledge of transitional economies. They're very simple, very short. First, if you trust people with their own money, they give thrust or speed up to the economy. That's one very simple thing. Other people's money is different. And secondly, it's even shorter, mind yellow vests. Thank you. Merci beaucoup. Mot de la fin aussi pour Madame Céline. Donc, et en parlant de dames aussi, le panel est bas, Madame Kutorod, vous êtes à Kifif, le panel est très intéressant. Le genre de la 4.0, on a qui vous êtes à la comment bénéficier de la transformation digitale au profit de l'égalité, donc le panel Limbad Hed, Madame Bikum Torad ou Tahdrofi. Mot de la fin, Madame Siri. Sur ma fin par rapport aux réformes de rupture, parce que finalement, on n'est pas arrivé à la conclusion rapidement, on est un peu
en train de digérer la réalité que vous nous racontez, c'est Faisal, que vous nous décrivez. Mais je persiste à croire que c'est le moment ou jamais de vraiment définir la réforme, vers où est-ce qu'on peut aller, et il faut vraiment la partager aux entreprises. Moi, je pense que les entreprises, au jour d'aujourd'hui, sont réellement dans une situation de difficulté. Et il faut que, également, aussi bien le gouvernement, mais également les membres de l'ARP, qui semblent aujourd'hui un peu bloquer le passage en force des lois que nous voulons faire passer, il faut qu'ils soient aussi sensibilisés. Je pense qu'il y a un effort qui est à faire par l'ISCE, par l'ITIPA et par peut-être toutes les organisations professionnelles. Merci Madame Céline Benamzan Bemlokal, le Khabir al-Muhasba et Amin Telmel, le Hayat al-Khubara al-Muhasbin. شكرا ايضا للسي فايسل دربال المستشار رئيس الحكومه المكلف للصحات الجبايه. شكرا مسيو جاوزلاف رومانيش مستشار رئيس الحكومه في بيلاروسيا. شكرا للقاعه زاد للجميع على حضوركم. البانيل اللي من بعد الجندره، ماذا بكم تقعدوا تتبعوا زاد موضوع مهم برشا. شكرا للجميع.